me suis réveillée avec des grandes contractions. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, le soir. Je ne sais pas, mais... Voilà, même lorsqu'on est enceinte, c'est permis de conduire. Hein. Juste, tu mets ton seatbelt en bas du ventre et puis ça, ça passe comme ça. Voilà, c'est ce que mon midwife m'a dit. Donc, là, je pars chercher David. So we played our little cute. Voilà, d'ailleurs il fait absolument beau. Oups. Par rapport à la maison, David était parti à la crèche, donc moi je suis à la maison maintenant, full time mom. À peine je viens d'arrêter le travail, donc pour attendre le deuxième bébé, il sort. C'est moi qui pars déposer David et puis le ramener. Bref, dans deux semaines, il va stopper d'aller à la crèche, quoi. Parce que, du coup, tout le monde sera un peu à la maison. On sera à la maison ensemble. En train d'enjoy. Oh my god, chez nous, à cette heure, il y a absolument beaucoup de trafic. Beaucoup, pas mal de trafic. Donc, les gens. Mais bon, on va essayer d'aller. C'est pas assez loin. À 5 minutes, Kana. Voilà, bonjour. Vote ici en Angleterre. Donc. Pas bien, non, pas bien, je suis pas assez bien, mais quand même, je m'en vais voter. Je suis là, je me suis réveillée avec des grandes contractions. Je sais pas si c'est aujourd'hui, le soir, je ne sais pas, mais je m'en vais d'ailleurs voter. Je vais voter d'abord, après autre chose, on va voir ça après. Mais je crois que je suis pas là pour plus longtemps, c'est ça ce que je donne. Voilà, j'ai des petites contractions, genre période, mais bon, je sais pas si ce serait le soir ou quoi. Et oui, voilà, bienvenue de retour chez Première d'un look. Ouh, update. Oh, c'est gars. Pourquoi tu rigoles? Yeah, je suis en train de provoquer. Ce bébé doit sortir avant le week-end. Oh my god. Ça, ça s'appelle provocation du nom. Provocation de l'accouchement. Inducing labor. Je suis en train d'essayer de bounce. Je suis en train d'essayer de faire tout pour que le bébé puisse sortir naturellement, pour que tout puisse commencer de soi-même, pour que
qui n'ait pas des interventions médicales. Je suis gros ballon que je suis en train de bang. J'ai beaucoup d'énergie. Là, on m'a dit d'essayer aussi de boire beaucoup de jus. Alors, on m'a dit de boire beaucoup de jus de mangue, d'aller faire de walk, aller faire des tours dans un parc. Donc, je suis en train de boire innocent, voilà, le jus d'innocent, jus de mangue. Et puis, manger beaucoup d'ananas. Je suis en train de manger beaucoup d'ananas. Et puis, faire des exercices en général. Donc, le soir, nous allons partir pour une promenade. Un long walk. On va partir marcher, même pendant 30 minutes. Tout en espérant qu'il y ait peut-être ce week-end, l'enfant sera là. Pour ceux-là qui savent vraiment, ou si la date la passe, c'est le stress, ben bon, je garde toujours l'attitude positive. Moi, je crois que lorsque le bébé est prêt, il sera là, il va venir de soi-même, Mais on attend. Entre-temps, bon, voilà, enfin, vers la fin, il y a quelques boutons qui ont décidé d'apparaître. Acné, voilà, discoloration. Vers ce niveau ici, j'ai des boutons, j'espère que la caméra est en train de faire justice, vous allez constater là. J'ai des boutons ici. Voilà, parce que je suis à la fin et en plus, c'est pas évident quoi. C'est pas évident, j'ai pris du poids. Malgré que je suis contente, j'ai pas pris du poids. J'ai pas pris beaucoup du poids, j'ai pas pris assez du poids là. J'ai pris du poids au niveau du ventre. C'est normal, c'est un bébé. Et puis j'ai aussi pris du poids au niveau de mon corps en général, mais pas assez. Voilà la raison pour laquelle j'ai développé des boutons et puis des imperfections que moi j'aime pas. Ici aussi là, vous allez voir. Et oui, il y a quelques boutons et d'autres trucs que nous allons traiter une fois que le bébé est là. C'est ça la réalité, c'est ça la vie d'une femme. Une fois t'es bien, t'es comme ça, tu veux faire un enfant, il faut t'attendre à beaucoup. Et donc, c'est juste assumer quoi. Je voulais juste vous parler, vous faire des vidéos en temps réel pour vous dire que c'est comme ça, ça se passe comme ça, pour vous montrer un peu mon expérience aussi. Donc, parce que lorsque je vais commencer à faire des traitements, lorsque je vais faire mes soins de visage, j'ai même une grosse lampe ici. Ici, j'ai des petits boutons et puis mon nez est gonflé. Je suis un peu, il faut pas me draguer. Don't drag me on the common. Faut pas dire de common. Attends, t'as grossi au niveau du nez qui se passe. Non. Voilà. Donc, c'est fait ça. Après, on va faire les traitements. Après, je vais vous dire, parce que c'est la deuxième expérience. Je l'ai déjà fait pour David. Et cette fois-ci, je vais encore les faire. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'éliminer tout ça. Comment est-ce qu'éliminer, Et puis, se remettre, comme on dit ici, les stars des papas, se remettre en forme après l'accouchement. Ça va donner. Et peut-être la dernière vidéo que vous allez voir, c'est ça. Après, je vous reviens avec a good news, the baby's here. Peut-être ce soir, next week. I don't know. On fait, on attend. Mais bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien, jusqu'à la prochaine. Merci à tout le monde, merci d'avoir suivi les vlogs grossesse, les louvers, comme j'aime dire de Lingala vlog, autrement dit. Merci d'avoir suivi. Donc, c'était vraiment un réel plaisir pour moi de partager cette expérience avec vous, pour vous donner aussi l'idée et puis, vous encourager de passer, même lorsque vous êtes enceinte, d'avoir une vie normale et puis enjoy, Voilà, c'était un peu ça l'idée.
Et on se retrouve à la prochaine, à la très très prochaine avec un vlog espérant de l'enfant, bébé, naissance et tout ça. Je sais que vous êtes nombreux en train d'attendre. Voilà, pour moi, je vous dis déjà bye bye. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que bientôt, nous allons redémarrer avec des make-up. On va faire des soins de visage. On va tout faire, tout ce que vous aimez là. Donc, voilà. Et à très bientôt. Bisous, première dame Lou. Maman commis star à papa. Esti pipi. Nanda. Bye bye.